La semaine prochaine, mardi et mercredi à New York, se tiennent les grandes ventes d'art contemporain chez Sotheby's et Christie's. Ce sont les ventes qui vont donner le la du marché de l'art contemporain. Comme d'habitude, combat entre les deux grands, entre Sotheby's et Christie's. Évidemment des Bacon, évidemment des Rothko, j'en parle comme ça de manière légère, mais c'est la vie du marché de l'art. Mais surtout, ce que je trouve intéressant cette saison, c'est une lutte entre deux grands du marché et peut-être aussi, et très certainement aussi, deux grands de l'histoire de l'art contemporain, c'est Gerhard Richter et Warhol. Chez Sotheby's comme chez Christie's, deux œuvres importantes de Warhol et Gerhard Richter. Alors je commencerai par un Warhol que je trouve absolument fascinant, de 1963, qui s'appelle Race Riot. En fait, avant d'être la victime d'une agression en 1968, Andy Warhol était encore un homme qui aimait parler de choses graves. Il prenait des photos de ce qu'il appelait des disasters dans la presse et il les reproduisait en grand plusieurs fois. En l'occurrence, Race Riot, c'est une émeute raciale à Birmingham qui en l'occurrence est reproduite en 4 fois et en 3 couleurs. Cette œuvre-là a appartenu à Robert Mapplethorpe et à Samuel Wagstaff, qui était le boyfriend de Robert Mapplethorpe et qui était un grand conservateur du musée américain, ce qui ajoute à l'histoire de ce tableau. 1963, un Warhol profond. On sait que le record pour Warhol date aussi des années 60. Enfin, je veux dire, l'œuvre a été vendue en 2013, mais elle date des années 60. Et c'était 105,4 millions de dollars pour la même série des disasters, pour un accident de voiture, car crash. Chez Sotheby's, on vend une série de 6 tableaux de 1986, Warhol meurt en 87. C'est un autoportrait en 6 déclinaisons de couleurs, hyper déco, on le reconnaît tout de suite, c'est pour les nouveaux riches de l'art contemporain, hyper commercial, c'est estimé 25 millions de dollars. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais le Race Riot, lui, est estimé 45 millions de dollars. Dans la suite des combats Sotheby's-Christie's, Gerhard Richter, il a une œuvre qui est extrêmement intéressante, qui est un travail sur l'idée de la reproduction de l'image à différents niveaux. Il fait de l'abstraction, il fait de la figuration, il fait des installations. Mais ce que retient le marché, souvent, c'est ces abstractions décoratives, ces déclinaisons de couleurs comme ça, floutées, extrêmement jolies. Et pour ceux qui ne s'intéressent pas au grand concept de Gerhard Richter, c'est un accès direct à des tableaux qui peuvent être très décoratifs dans le salon si on est un richissime nouvel amateur d'art. Et donc, le record pour Gerhard Richter, c'est 37,1 millions de dollars, mais c'est pour une œuvre floutée qui représente le Duomo à Milan, une œuvre très tôt de 1968. Mais en l'occurrence, il s'agit de deux œuvres des années 80 et du début des années 90. Chez Sotheby's, c'est un grand tableau de 300 sur 300 qui est estimé 25 millions de dollars. Et chez Christie's, c'est un tableau de 260 sur 200 centimètres de 1990, donc légèrement plus petit, légèrement moins cher, estimation 22 millions de dollars. Il a un petit handicap tout de même, c'est qu'il a été vendu en 2012 pour 17,2 millions de dollars déjà, et donc il repasse à la vente. Mais entre un tableau flouté et un autre tableau flouté, super décoratif de Richter, va-t-on faire la différence ? À ce niveau-là de fortune, on ne sait pas. Nous allons voir ce qui se passe pour ces stars du marché de l'art mardi soir et mercredi soir prochain. En tout cas, ce sont les tableaux les plus médiatiques. Merci beaucoup, à bientôt.